Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Donc cette fois-ci, ce sera des œufs cocottes et je tenais à partager cette délicieuse recette avec vous. Alors pour cela, on aura besoin de deux petites cocottes ou deux petits ramequins, c'est comme vous voulez, du gruyère râpé, de la crème liquide, des dés de jambon et quatre œufs. Alors tout d'abord, je commence par beurrer les petites cocottes. Voilà. Ensuite, je place les dés de jambon, jambon de dinde, ce que vous voulez. Au fond, je mets un petit peu de gruyère. Ensuite, je verse un tout petit peu de crème liquide au fond. N'en mettez pas beaucoup, ne faites pas la même erreur que moi parce qu'après ça déborde. Ensuite, je poivre et je sale, je viens placer mes deux œufs. Alors ne faites pas la même erreur que moi. Un seul œuf par cocotte suffira largement. Je me suis rendu compte qu'après ça dégoulinait partout. Alors voici ce que ça donne. Ils sont prêts à être enfournés. Je mets encore un tout petit peu de gruyère râpée dessus. Ensuite, vous couvrez, comme vous le voyez, ça déborde. Voilà, donc vous vous enfournez pendant 9 minutes à 190 degrés. Ensuite, vous enlevez le couvercle et vous laissez encore 3 minutes au four. C'est délicieux. N'hésitez pas à reproduire la recette chez vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de la liker si vous avez aimé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.